Comment ça va? Ah, ça va tellement bien! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, hyper excitée parce que j'ai fait un concours récemment, il y a quelques semaines, pour avoir des covers, des gens qui me donnaient leur interprétation de différentes chansons, mais surtout de ma chanson Au revoir. Et là, j'en ai choisi deux d'entre eux. Ouh! Fait que là, on s'en va les voir. On va les voir! Ça va dans un studio. On va faire un cover. Mon premier cover sur ma chaîne YouTube depuis genre au moins 3 ans. Ouh! Ok, let's go. Let's do Ouh! This! Ouh! Je suis la personne qui a le moins de sens de l'orientation de la planète. Ça fait 3 ans que j'habite à Montréal. Je ne sais même pas encore comment me rendre dans mon propre appartement. Donc, on met... Oui, je te jure. Oh non, je l'ai tout délité. Je suis la pire à cause. Tu connais ça? J'ai filmé. Oui, je l'ai. Fait que Mégane, pourquoi on a deux invités aujourd'hui? Parce que la première fois que tu m'as appelé, tu m'as dit « Hey, on va juste avoir un gagnant. » Ça, c'était pécon de Mégane. Mégane qui a du mal à faire des choix. Il y avait tellement du monde talentueux qui se sont inscrits au cover. J'ai reçu en tout 80 candidatures. Hey, ça n'a pas de sens. 80 candidatures. Gens qui chantaient ma chanson, des covers et tout. Des gens extrêmement talentueux. J'ai eu des gens jusqu'en Abitibi, jusqu'à Rimouski, Gatineau, Québec. Montréal. Et j'ai pas été heureux de faire un choix, donc aujourd'hui ils sont deux. Nous avons Claudia, nous avons Miguel qui vont être là aujourd'hui. Claudia qui vient de Gatineau. Claudia, elle descend de Gatineau aujourd'hui pour venir nous retrouver. Très très heureux de faire un cover avec ces deux personnes hyper talentueuses. Malade. Segment, nous sommes arrivés maintenant au nous sommes maintenant arrivés au studio. Vous pouvez croire que ça a de l'air étrange de l'extérieur. Je vous l'accorde. Attention. Ce qui se cache à l'intérieur est incroyable. Est-ce que toutes les boîtes dans le char, faut toutes les amener? La plupart, ouais. Pas mal. J'en ai tellement le fun. Je peux-tu la refaire? Oui. Ok. Baby girl, what's your name? Ça? Ah, oh, j'aurais tellement dit avoir ta candidature. J'ai jamais reçu ta candidature. Non, mais ça sent bien, je suis en retard, désolé. Viens te voir. Okay. Oh my god. Donc, la première candidate est arrivée. Je vais aller la chercher. C'est comme les bébés Hunger Games de Sora Academy. Oh my god! Claudia vient juste d'arriver, très excitée de la rencontrer. Donc elle vient chanter Au revoir avec moi. C'est la première fois qu'on se rencontre, elle descend de Gatineau, on se rappelle. Donc elle est mieux, tu vas aller la chercher. Fait que je m'en vais la chercher, bougez pas, je reviens. T'es stressée, tu dis? On dirait que je suis stressée. Mais tu sais, tu vas plus t'entendre avec. Mais oui, je sais, je vais m'entendre avec, ça va être comme une amie. Mais c'est quand même stressant, là. Tu vois, ce qu'elle est vraiment talentueuse. Fait que t'es genre un peu intimidée, je sais. Mais je suis comme, on dirait, c'est ce que c'est quand je suis, oh mon dieu, je vais rencontrer une nouvelle amie. Je suis comme, wouhou! Yo! Je suis très contente de te voir! Je vais te donner un hug, je l'espère. Mon dieu, pis toi, t'es magnifique! My god! Beautiful girl! On match en plus, yeah. On est allé dans le même, t'es vraiment éblouissant. Dans tes petits freckles, hein, c'est love that. Mais tellement enchantée de te rencontrer, donc j'explique à quel point j'étais quand même stressée d'être rencontrée. Aussi, donc on est same energy, same vibe, parfait, on va être parfait. On a comme le setup parfait. À vous, c'est beau! Donc, j'ai vraiment de voir comment nos voix vont blender ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit je t'aime. C'est ce qu'on y va. Ce mélange, j'ai perdu foi. Bien quand même, that's it! Vraiment! C'est une scène! T'es malade. Dans le fond, Madame Claudia, après avoir chanté avec la seule unique Megan Hawke, la fameuse Megan Hawke, ben comment t'as trouvé ça? C'était super fun? Puis comment t'as découvert la tune Au revoir, slash comment t'as découvert Megan Hawke? Tu sais, comme les deux en même temps. C'est quand la première fois que t'as vu, t'as fait genre, ça c'est Megan. Star Academy. Ok. Comme beaucoup de gens, je pense. Oui. Mais ouais, puis j'ai découvert la chanson. J'étais comme, oh my god, j'adore. C'est vraiment mon style. J'aime ça, les instruments plus acoustiques. Puis des chansons qui peuvent mettre la voix vraiment en valeur. Puis oui. Que le texte est beau comme ça aussi. Super. Ouais. That's it. C'est tout. C'est ça la question que j'avais. Mais merci. Hey, c'était fun, hein? Ouais. Puis ma fille, elle me dit, ah, c'est quoi ton métier? Je dis, je suis chanteuse. C'est la première fois que je le disais autant comme. Assumé. Yes. Elle a dit quoi? En fait, comme, ouais, elle dit ça, un métier stressant. C'était pour le médecin. Genre, c'est un métier stressant. Je suis comme, pour vrai, ouais. Mm-hmm.
Mais juste de dire que j'étais une chanteuse, c'est la première fois que j'ai dit autant. Ça devait être intéressant, de genre la réaction de la personne, de comme ah oh, ouais, ou genre ah oh, ouais, tu sais, c'est ouais, comme ouais. Ça dépend. Ben, le regard cette semaine, j'ai eu un regard, mettons, ah, oh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Oh, moi, j'aimerais ça être chanteuse. Oh. Oh. Ouais. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, ça là, à chaque fois, je suis comme ouais. Remember my face, cause. Ouais. Mais non, faut croire en nos rêves, gang. Puis même si les gens ils te regardent, ils sont comme pas de chance, faut que tu leur dises comme ah, oh, ouais. One take. Ça va? Ça va, toi? Yes. Enchanté de t'avoir. Enchanté. Comment que tu vas là? Moi aussi, je suis content d'être là. Malade! Yes. Encore faire un copain ensemble. Bon. Quel fait intéressant, on vient de savoir. C'est la première fois de toute l'existence de Megan Oak que je chante avec un gars et que je me performe avec une voix masculine. Première fois à tout, je pense. Yeah! J'étais seule dans l'univers. Il était pas, j'étais la seule au combat. Sans effort et sans remords, comme ça que j'ai continué. Yeah! Puis, comment t'as trouvé ça? C'était malade. C'est cool. Pour vrai, j'ai adoré l'expérience. J'ai toujours aimé ça, chanter avec des filles. Fait que avec nice. Meg, très nice, nice. Chanter avec Meg. Et depuis quand tu chantes? Moi, à 8 ans, ma mère m'a donné 2 cadeaux. À ma fête, ça a été une guitare. Okay. Puis j'allais à mon premier cours de guitare la même soirée. Puis c'est en jouant de la guitare depuis mes 8 ans qu'à un moment donné, ça a débloqué. Je me suis dit pourquoi pas, j'allais m'accompagner en chantant. Ouais. Je pense que j'ai commencé à chanter, j'avais 10, 11 ans. Puis j'ai jamais arrêté. Là. Super. Yeah. On est vrai? Ouais. Les deux covers extraordinaires se retrouvent sur ma chaîne YouTube, donc c'est le moment d'aller visionner ça. J'aimerais prendre le temps de remercier Claudia Tessier et Miguel Michel qui se sont déplacés avec moi en studio. Merci énormément aux 80 personnes qui ont envoyé leur vidéo, qui ont eu le courage de m'envoyer un cover de leur performance. J'ai adoré vous regarder, vous écouter en grand nombre. Et je peux juste dire un énorme merci à la gang de HXN Media qui sont venus me filmer aujourd'hui, filmer mes nouveaux amis, c'était vraiment insane. Je vous rappelle que la chanson acoustique de Au revoir est disponible sur toutes les plateformes. On se voit bientôt! énormément au blablabla, comment c'est